Pour tout vous dire, j'ai accompagné la préparation de cette émission d'un petit Doliprane, tout simplement car au bout d'un moment, ça finit par faire mal au crâne. Oui, êtes-vous prêt pour l'épisode 8725 de la saga pas toujours réjouissante Cyberpunk 2077? Oui? Eh bien, prenez place, car effectivement, j'ai de nombreuses et nouvelles informations en provenance directement de CD Projekt qui a précisé les contours de beaucoup de choses. Et à l'intérieur, vous allez voir, il y a certaines petites surprises. Mais avant cela, petit retour en arrière important. Lundi, je vous en parlais, histoire de tenter de calmer, lire le courroux des joueurs, mais aussi des investisseurs, CD Projekt avait publié ce mot. Un mot qui était une lettre d'excuse adressée aux joueurs, mais qui soulignait aussi que justement, les gamers qui étaient mécontents de leur titre pouvaient demander un remboursement. Résultat immédiat, sans atteindre évidemment les sommets du 4 décembre dernier, eh bien le cours de bourse de CD Projekt s'était stabilisé quelque peu, avait endigué l'effondrement qu'il était en train de connaître, et regardez, au moment où j'enregistre cette vidéo, il est en légère hausse, un peu moins d'1%, mais ça ne lui était pas arrivé depuis un bon bout de temps. Pour compléter tout cela, il y a quelques heures à peine, les responsables de CD Projekt ont fait une longue discussion avec les investisseurs. Quand je vous dis longue, elle l'est. Ils ont répondu à énormément de questions très directes sur « Mais qui est le responsable d'avoir maintenu le lancement le 10 décembre ?» Quid des DLC, du multijoueur, les remboursements, comment ça se passe véritablement? Vous allez voir, il y a des petites subtilités. Quel est l'avenir du jeu? Est-ce que tout cela aurait pu être évité? Bref, énormément d'informations que je m'en vais vous traduire, et vous l'avez vu, en disclaimer, je vous le dis, il y a des petites choses qui risquent de faire grincer quelques dents, car ce n'était pas si clair qu'il n'y paraît. Par exemple, les remboursements, alors installez-vous confortablement, je vous en parle maintenant. Allez, pour commencer, je vais débuter par une traduction, les propos, en fait, de Adam Kicinski, l'un des responsables de CD Projekt. Voici ce qu'il a déclaré aux investisseurs il y a quelques heures à peine. Nous avons sorti Cyberpunk 2077 le 10 décembre dernier. Le jeu a connu un fort démarrage et nous avons reçu des commentaires positifs de la part des joueurs qui l'apprécient sur les machines les plus puissantes, PC et nouvelle génération de consoles, ainsi que Stadia. Mais les premiers retours de ceux qui y jouent sur les plus anciennes consoles de dernière génération sont bien en deçà de nos attentes. CD Projekt est une équipe qui met tous ses efforts et tout son cœur pour offrir des jeux incroyables. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Après trois retards, nous, en tant que comité de direction, étions trop concentrés sur la sortie du jeu. Nous avons sous-estimé l'ampleur et la complexité des problèmes. Nous avons ignoré les signaux sur la nécessité d'un temps supplémentaire pour affiner le jeu sur les consoles de base de dernière génération. C'était la mauvaise approche et contre notre philosophie d'entreprise. De plus, pendant le développement, nous avons montré le jeu principalement sur PC. Cela a causé la perte de confiance des joueurs et la réputation que nous avons bâtie pendant une grande partie de notre existence. C'est pourquoi nos premiers pas sont uniquement axés sur la récupération de ces deux choses. Nous sommes concentrés sur les corrections apportées à Cyberpunk sur les consoles de dernière génération. Nous ferons tout notre possible pour prouver que nous tenons à nos valeurs. Nous espérons sincèrement que nos efforts permettront de reconstruire la confiance que nous avons perdue. Alors là, c'est un complément, à mon sens, extrêmement important et éclairant sur le mot d'excuse qui avait été publié sur Twitter, qui était, on va dire, moins en profondeur sur le fait que, clairement, ils ont merdé sur les consoles d'ancienne génération, les consoles de 2013. Il souligne aussi que la faute incombe directement au studio, pas au développeur qui est en train de faire le jeu, à la tête du studio, qui n'a pas vu et qui a, je cite, ignoré les signaux sur la nécessité d'un temps supplémentaire pour affiner le jeu. En gros, ils se sont mis la maxi-pression, ils se sont dit, on a déjà fait trois reports, c'est pas possible de faire autrement. Est-ce que ça les excuse? Clairement pas. Est-ce que ça permet d'être plus clair? Oui. Mais c'est pas tout. Il y a une question qui a été posée, vous allez voir, il y en a beaucoup, et elles sont, à mon sens, vraiment très très importantes. La seconde question, c'est qui est responsable d'avoir maintenu le lancement le 10 décembre? Parce que c'est une question totalement légitime. Quand on voit qu'il y a des patchs qui vont sortir
en janvier et en février, à minima, le jeu aurait dû sortir dans 2 mois. Puisque, à l'heure actuelle, sur les consoles de 2013, ok, hein, tu peux le lancer, etc., mais on est tous d'accord, c'est pas du tout au niveau qu'on attend d'un tel jeu, et globalement d'un jeu tout court. Eh bien, voici la réponse de CD Projekt. Nous avons essentiellement regardé la version PC et les performances des consoles de nouvelle génération plutôt que la génération actuelle. Nous avons certainement pas passé assez de temps à inspecter ces versions. Je ne dirais pas que nous avons ressenti une pression externe ou interne pour lancer le jeu à cette date, autre que la pression normale qui est typique pour tout lancement. Ce n'était donc pas la cause. En termes de processus de certification, et pour les tiers, c'est définitivement de notre côté. Je ne peux que supposer qu'ils espéraient, donc là ils parlent des constructeurs, que nous allions régler le problème lors de la sortie, et cela ne s'est manifestement pas passé exactement comme nous l'avions prévu. Ah bah tu m'étonnes! Mais une fois de plus, ils précisent que c'est bien en interne qu'ils ont mal jugé de la qualité de leur propre titre. Bon, je rappelle qu'ils avaient souligné il y a quelques semaines, mois, qu'ils trouvaient que ça tournait quand même bien sur les consoles de l'ancienne génération. Bah justement, pourquoi ne pas avoir montré les versions PS4 et Xbox One avant le lancement? La question est posée, la réponse, la voici. On va la voir. Nous avons effectivement montré des images des versions consoles, mais jamais sur les consoles de 2013. La raison en est que nous mettions à jour ces versions jusqu'à la toute dernière minute. Et nous avons pensé que nous arriverions à temps. Malheureusement, ceci a abouti à le donner aux critiques, donc aux testeurs, juste un jour avant la sortie. Ce qui était certainement trop tard, et les médias n'ont pas eu la possibilité de l'examiner correctement. Ce n'était pas prévu, nous étions juste en train de réparer le jeu jusqu'au tout dernier moment. Bah, il explique ce que les médias vous ont dit, hein. C'est on n'avait pas eu accès aux autres versions, ça nous inquiétait, mais je pense, en tout cas je vais parler pour moi, jamais je n'aurais imaginé ce qui s'est produit. C'est-à-dire, oui, que ce soit moins bon, on le sentait tous, mais à ce point, non, franchement pas. Surtout de la part d'un studio comme CD Projekt, qui, quand même, généralement, en plus il y a eu 3 retards, donc on se dit report, on se dit bon, bah là, s'ils pensent que c'est bon, c'est que c'est, ça va, quoi, ça passe. Bah non. Mais là, on va arriver à un point qui risque de faire quand même grincer quelques dents. C'est l'histoire des remboursements. Vous l'aviez vu, le tweet. Il n'y avait aucune mention avec un petit astérix, genre « Ah oui, mais bon !» Non, il y avait marqué « Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez demander un remboursement, etc. » Normalement, quand on lit ça, on se dit « Ah, d'accord, c'est une situation un peu exceptionnelle, parce qu'on le sait, hein, les remboursements, normalement, il ne faut pas avoir lancé le jeu, etc. » Mais là, il ne précise rien, et vu le pataquès, il y a probablement un arrangement spécifique. Et on a découvert qu'il y avait plein de joueurs qui n'arrivaient pas à se faire rembourser. Bah, vous savez pourquoi? Bah, vous allez le savoir. Regardez! Enfin, en tout cas, écoutez-moi, je le traduis. Une chose que vous devez comprendre. Microsoft et Sony ont des politiques de remboursement pour chaque produit publié numériquement sur leur boutique en ligne. Cela dit, j'ai vu plusieurs articles dire que des choses se mettaient en place rien que pour nous. C'est en fait faux. Ces politiques sont en place et ont toujours été en place. Ils ne sont pas offerts spécifiquement pour nous. Toute personne ayant acheté un titre sur le réseau PlayStation ou sur le site Microsoft peut demander un remboursement. Et s'il est effectué dans certaines limites, généralement liées au temps, l'utilisation et ainsi de suite, il peut demander ce remboursement. Notre procédure ici avec Microsoft et Sony n'est pas différente qu'avec tous les autres partenaires et les jeux sortis par le passé. Je veux le dire clairement car il y a eu visiblement de mauvaises interprétations. Bah oui, tu m'étonnes. Je veux dire, c'est pas qu'il y a eu une mauvaise interprétation, c'est que, à minima, c'était une fois de plus très flou. Quand on dit, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez demander un remboursement, et on va vous y aider, etc. D'ailleurs, regardez, il y a le mail, etc. Bah tu te dis, bon, remboursement. Par exemple, regardez, le site de BFM. Là, il y a quelques heures à peine, Cyberpunk 2077, l'éditeur CD Projekt rétro-pédale sur le remboursement des joueurs. Voilà ce qu'ils disent. Si la communication de l'éditeur laissait, pour beaucoup, imaginer la mise en place d'une procédure exceptionnelle pour le remboursement de Cyberpunk 2077 sur PlayStation,
et on pourrait y ajouter sur Xbox, il n'en est rien. L'opacité de cette situation a rapidement été évoquée par les journalistes interrogeant l'entreprise à ce sujet. Mais clairement, je veux dire, j'ai l'impression qu'on est plusieurs à avoir compris cela. Parce que si c'est pas spécifique, enfin, si un... Tu le précises ? Parce qu'il y a un vrai problème sur ce jeu quand même. Je veux dire, c'est pas juste « Ah, le jeu il me plaît pas, etc. » Non, c'est... Et d'ailleurs, ils le reconnaissent clairement. Que c'est pas du tout au niveau d'attente d'un jeu actuel. Là-dessus, honnêtement, je trouve que il faut vraiment qu'ils calment les zones d'ombre, qu'ils éclaircissent vraiment tout. Ils le font pas mal sur le reste, mais sur ce point du remboursement, mais non. Donc en gros, maintenant je peux vous le dire d'autant plus, surtout, si vous avez acheté le jeu et que vous avez vu les images et que vous avez un doute, le lancez pas, parce que sinon vous ne serez pas remboursé. Hein. Mais je veux dire, là maintenant c'est trop tard. Et donc en fait, c'est là qu'il y a un truc très très pernicieux. C'est... Pour se rendre compte que le jeu ne te satisfait pas, t'es quand même bien obligé de le lancer. Alors évidemment, oui, il y a des vidéos, etc. Mais tout le monde n'y a pas accès, tout le monde ne les voit pas et tout. Et on est vraiment dans le cas d'un jeu sur lequel il y a un vrai ou des vrais problèmes techniques. Certes, il se lance, mais au-delà de ça, on est vraiment limite du niveau de la génération d'avant les PS4 et Xbox One. Alors, quand même, ça craint vraiment. Je crains que ce point-là se retourne encore une fois contre eux. Bon, alors, autre question qui a été posée, et que vous vous posez peut-être, les fameux DLC. Et le multijoueur, bah, la question a été posée. Il y a vraiment beaucoup de questions très pertinentes, hein, très directes. La question c'est, les DLC, est-ce qu'ils arriveront bien en 2021, comme ça avait été prévu, et le multijoueur en 2022? Eh bien voici la réponse de CD Projekt, je vous la traduis. Pour être honnête, il est trop tôt pour juger. Pour le moment, laissez-nous gérer la situation, et s'il vous plaît, laissez-nous faire quelques évaluations supplémentaires. Du coup, je ne sais pas encore, et nous nous concentrons maintenant sur l'amélioration de Cyberpunk. Nous discuterons de ces sujets au début de l'année prochaine, et un petit peu plus loin dans les réponses, il précise qu'il devrait y avoir un point effectué en janvier 2021. Mais quand même... Là, il y a un profond souci. Pour moi, il y a un cas d'école absolu. On est vraiment sur le jeu qui n'aurait jamais dû prendre la décision de se lancer le 10 décembre. Jamais. Le positif de ça, c'est que impossible pour moi, pour un gros éditeur, voyant tout le pataquès, à l'avenir, de faire pareil. Parce que là, c'est, enfin, je veux dire, tout se décale, on sait plus, il faut attendre janvier, février pour avoir un jeu au niveau de ce qu'il aurait dû être dès le lancement. On n'est pas un jeu service, là, hein, c'est un jeu solo. Bon. Il y a d'autres éléments, sur lesquels je vais revenir rapidement, qui ont été évoqués dans cette discussion avec les investisseurs. La première, c'est... Est-ce qu'il y aura des améliorations, par exemple, sur l'intelligence artificielle? Eh bien, ils soulignent que, pour eux, ils considèrent tout cela un petit peu comme les bugs, et que donc, des améliorations, il faudra voir à quel niveau, hein, pourront être apportées suite au prochain patch. L'intelligence artificielle perfectible, ça fait partie des points dont je vous avais parlé dès ma toute première vidéo. Je vous avais dit, au niveau des lacunes, 1, ben, on n'avait pas pu voir les versions console, et donc je vous alertais. 2, il y avait pas mal de bugs, même sur PC. 3, la conduite était vraiment pas terrible. 4, il y avait des soucis d'intelligence artificielle. 5, le début de l'aventure et certaines séquences étaient quand même un petit peu molles. Pour le reste, c'est un jeu que j'avais beaucoup apprécié. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'éléments à améliorer. Autre point qui a été souligné, il n'a visiblement jamais été envisagé d'annuler les versions PS4 et Xbox One qui sont vraiment bien distinctes dans le processus de développement des versions PC et futures next-gen. Alors, version next-gen, d'ailleurs, on peut en parler, hein, parce que si Cyberpunk tourne sur Xbox Series X et sur PS5, ce n'est que en mode rétrocompatibilité, avec des petites améliorations, mais à la marge. Et donc, les patchs nouvelle génération arriveront en 2021, mais on ne sait pas du tout quand, pour PS5 et Xbox Series. Mais du coup... Comme là, ils bossent sur la version PS4 et Xbox One, est-ce que ça va décaler l'arrivée des patchs?
Bah on ne sait pas, voilà, ça a encore du flou. Et vu que le dernier patch PS4 Xbox One, il arrive en février, est-ce qu'il faut se dire, c'est pas avant février ou mars qu'il faut attendre les versions next-gen? Bref, définitivement, si vous y jouez pas sur un beau PC, parce que sur un beau PC, honnêtement, et je vois les retours de beaucoup de joueurs, aujourd'hui, ça se passe très bien. Et d'ailleurs, du coup, les gens goûtent au jeu, et c'est très subjectif, comme l'appréciation à chaque fois, mais je constate que la plupart trouvent que le jeu est vraiment plutôt bon, malgré certaines erreurs, malgré certaines choses à améliorer. À mes yeux, c'est pas du tout... ça n'aurait pas été le GOTY. Mais c'est quand même un jeu qui surnage de la production globale, mais quand il est joué, dans les meilleures conditions. Pour le reste, voilà. Et donc, pour le reste, pour moi, ça aurait véritablement dû être décalé. Autre question qui a été évoquée, c'est est-ce qu'on aura un petit peu les chiffres de vente globaux? Eh bien, ils ont souligné que avant Noël, il y aura un communiqué à ce sujet, et que du coup, on pourra voir plus précisément quel a été le succès commercial, du moins, du jeu. Une question a même été posée de savoir, ouais, mais est-ce que vous allez intégrer, ou en tout cas communiquer, les chiffres de personnes qui ont demandé un remboursement? Et là-dessus, c'est pas sûr. C'est pas sûr, il risque d'avoir pas mal d'opacité, et du coup, probablement que les chiffres de vente, faudra les nuancer, parce qu'il y aura un pourcentage difficile à définir de gens qui auront demandé un remboursement, et donc quand tu demandes ton remboursement, quand il est effectué, l'argent qui allait normalement chez CD Projekt, il repart. Voilà. Et les ventes, il faut soustraire. C'est un sacré pataquès, hein. Ça aura généré beaucoup de tensions. J'ai évidemment une pensée aussi pour les développeurs qui ont dû suer sang et eau ces derniers mois, qui ont cravaché, et qui, au final, n'ont pas réussi, probablement sur des délais, ils le soulignent, hein, impossibles à arriver au niveau escompté, et qui vont devoir continuer. Alors, d'ailleurs, dans la discussion avec les investisseurs, l'un des responsables de CD Projekt a bien précisé que, oui, les équipes étaient fatiguées, et qu'ils n'allaient pas faire les choses comme par le passé. Je pense que les histoires de crunch et tout, ça commence quand même vraiment à faire aussi son œuvre, et qu'il allait avoir une coupure et des fêtes de Noël respectées. Tant mieux, c'est quand même le minimum. Surtout que là, nous tous, là, tous, je pense qu'on arrive à la fin de l'année fatigués. Physiquement, nerveusement. Et des développeurs qui ont travaillé je sais pas combien d'heures, etc., pour essayer de tenter de finir, la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que leur bonus a été certifié et n'est plus conditionné à la note Metacritic, donc ils seront tous payés. Alors payés, évidemment, ça c'est la base, mais leur bonus sera néanmoins donné. Et franchement, tant mieux, parce que ce n'est pas à eux de subir, en vérité, une très mauvaise décision. S'il y avait eu que la version PC qui sortait, honnêtement, je suis persuadé qu'on n'en serait absolument pas là. Mais l'histoire ne s'est pas écrite de cette manière-là. Voilà en tout cas toutes les nouvelles informations qui viennent de tomber que je pouvais vous proposer. Vous me direz un petit peu calmement ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que il y a plus de clarté de la part de CD Projekt, mais des éléments quand même qui sont un petit peu surprenants, voire décevants, concernant les remboursements, eh bien, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, si vous voulez être sûr de ne rien manquer de l'actualité, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Cochez la petite cloche, elle est par là, je crois. Ouais, elle doit être par là, en dessous, histoire d'être notifié de l'arrivée des nouvelles vidéos. Et il y a plein d'émissions qui vous attendent, dont le bistrot du JV avec une nouvelle console qui va sortir en 2021. Eh oui, ça ne s'arrête pas. Donc d'ici là, eh bien, à très vite et vive notre passion du jeu vidéo. Ciao.